Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Carry Night sur Mario Maker. Voilà l'émission. Ah mais il faut appuyer sur Y. Oh, on est à 4 pages. On est passé à 4 pages. J'ai envie de s'activer un peu les méninges, jouer de l'interrupteur on-off et atteignez l'arrivée en vous servant des coupas. Vous sentez-vous à la hauteur? Ah mais je peux plus. C'est parti. Bref, j'espère que vous allez bien parce que nous sommes dans les parties où on doit récupérer toutes les dernières missions. Et ça fait plaisir. Ah! Ça, c'est le genre de truc qui est extrêmement populaire dans les niveaux créés par les gens. Ils aiment bien faire ça, les gens. Des niveaux où il faut faire des trucs avec des. Avec des ennemis. Bah, en même temps, je trouve ça rigolo. Oui, parce que c'est sympa, bien sûr, évidemment. Oh, ça l'a bougé! Ah, tu l'as tué, bravo! Ah, mais... Pourquoi ça l'a bougé? Normal, en fait. Ah! Il semblerait que ça soit normal. Bravo, tu as récupéré la clé. Ah même si j'ai pas besoin d'aller la chercher. Tu as même gagné 3 pièces. J'avoue, c'est un niveau facile, ça. Oui, il était 2 étoiles. Ah, il est quand même 2 étoiles, attention, c'est dur. C'est difficile quand même. Hein. Peut-être t'as une chance de rater, je sais pas comment, mais... Ah bah bravo. Ah bah bravo. Je suis désolé. Hey, j'ai vu, tu étais dessus. Ah bah bravo. Tu sautes deux fois en fait. Ah ouais, oui. C'est possible. Attention, faut bien que tu sois timé. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile, tu vois. C'est attention ça. C'est attention. Ça devient... wow, attention, tu peux mourir quand même. Tu peux mourir. Wouhou. Oups. Wouhou. Je veux pas aller là-bas, non. Non! Oh, tu peux la tuer. Ça va, elle reste en vie. Elle fait de son mieux. Oh là là, oh. Le coupa géant. Oh, tu vas... Oh, ah, c'est là que ça devient difficile. Bah là, il va aller... Ah. Ouh. Ouais, et puis après il va. Bah non, en fait il va rester là à jamais. Je l'ai bloqué là. Il va pas descendre, tu veux dire? Bah ouais. Ah oui, mais là il est obligé d'aller jusque bah ouais. Là. Donc, après du coup, tu dois le shooter dedans, j'imagine, hein, c'est le seul moyen. Il y a un truc. À mon avis, c'est moi qui m'y prends mal. Déjà, on va faire comme ça. Et après, comme ça. Il va là-dessus. Bravo! Et maintenant? Ah, et après faut attendre, ok, oui, je vois! Et oui! Et là, il va pas tomber, j'espère. Non, il tombe pas, c'est un rouge. Les rouges sont intelligents, ils ne tombent pas. Alors, par contre, là, on est. Là, il faut que tu sautes dessus! Massacre-le! Assassine-le! J'ai cru que ça allait partir de. Ah! J'ai cru que ça allait partir de ton côté et que du coup. Allez, route que je tourne en arrière! Et que tu allais mûrir. Non, c'est bon, je ne suis pas morte. Tout va bien. C'est un niveau où on ne peut pas mourir, c'est pour ça que il était 2 étoiles. Bah non, mais à la fin tu peux. À la fin tu peux, tu vois, justement. Nous avons 438. C'était rigolo. 4300, pas 438. Bah si, 438 x 10, c'est un des chaussures dans l'univers. Je voudrais jouer à ce stage, mais je n'ai pas le temps. Est-ce que quelqu'un pourrait aller à ma classe? J'ai entendu dire qu'il était possible de marcher sur les scrunch si on porte une chaussure de Goomba. Mais c'est encore le maître des cieux, mais non, mais maître des cieux. Maître des cieux, c'est le boss final. Il a pas de temps. Il est tout le temps. Parce qu'il paraît, il a pas le temps. Mais il a le temps de faire un niveau. Oui, il a le temps de faire des niveaux, mais par contre, les essayer après, non. Attention, tu vas devoir aller sur les scrunch. C'est quoi les scrunch? C'est les munchers, j'imagine. Ça doit être la traduction FR. Voilà, nous sommes donc dans la traduction FR. Qui pour mourir? Ah, tu t'es fait avoir par l'appât du gain. L'appât du gain est très important. Parce que les scrunch. Voilà. Et... Scrunch. Bon, on va pas aller chercher les scrunch, du coup. Les scrunch. En théorie, c'est le bon terme parce que. Munch. Ah, il faut que je me débarrasse de. Ah non, c'est bon. Ça veut dire mâcher. Scrunch, enfin, c'est le bruit, voilà. Scrunch, 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 scrunch. Ça va, il n'y avait pas un trou. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est un Goomba! Va-t-il se jeter dans le vide? Regardez-le. Oulala. Va falloir que tu ailles sur lui.
Oh ah, il tue les nuages. Ah bah là, on peut le dire, les rayons du soleil, ils jouent pas avec les nuages, là, du coup. Ouais, mais tu peux pas comprendre. Plus personne comprend cette référence aujourd'hui. Je pense que ça devient un peu vieux, oui. De toute façon, il n'existe plus, celui qui disait ça. Ah. Il n'existe plus. Ah, dommage, je pensais que j'aurais une vie. Méchanceté gratuite. Je pensais que je pourrais gagner une vie, en fait. Bah... Si t'arrives à aller en haut après, peut-être. Ah, je veux la chaussure géante, moi, bien sûr, évidemment. Ah, en plus, elle vole, attendez, oh. Et là, tu peux... Ah, il y a un truc là-haut, en haut à gauche. Oui, oui, je... Mais oh non, mais ma chaussure, vous l'avez cassée, vous n'avez pas honte. Oh, ils sont... En plus, il y avait une vie. Vous avez cassé ma chaussure, quoi. Pourquoi t'es énervé, toi? Il n'y a même plus besoin à la fin du film. Ils ont cassé ma chaussure, je suis déçu. Ah, bah, ça... C'était mon ça... beau talon, quoi. J'ai cru que t'allais dire ton beau talent. Bah, mon beau talent, il a pas brillé, pour le coup. Bravo! Voilà! Le château des bulles de lave. J'ai essayé de recréer un endroit que j'ai exploré il y a bien longtemps. C'était un château où régnait une chaleur étouffante et où des bulles de lave surgissaient sans prévenir. Mettez cette carapace de bruit insecte sur la tête. Peut-être que vous en sortirez sain et sauf. Sain et sauf, en pluriel, donc on est censé y aller à plusieurs. Regardez. Mettez la carapace de bruit insecte, on vous a dit. Bah oui, mais... Vous n'avez rien regarde, écouté. Comment je fais pour esquiver ça, alors? Parce qu'il faut que j'y aille avant. C'est inesquivable, bon sang. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les game développeurs, quand ils ont fait le jeu? Ah, ça passe à travers. Très belle carapace de bruit insecte. Hein, oui, j'aime beaucoup. C'est une jolie carapace, j'adore. C'est un champignon, bien évidemment. Oh. Il y avait une pièce de 10. Ah oui? Ouais, ouais, mais elle est tombée, en fait. C'était pendant que ça tombait, il y en avait une. Eh, mais c'est vicieux, là. Mais c'est pas grave, nous avons les Skellerex, c'est ça qui... Oui, mais là, par contre, ils vont me mettre une bulle de lave là-dessus, alors je vais partir. Ah oui, voilà. Mais on va vous donner aussi... Ouais, elles vont tomber, là. Ok, j'allais dire... Bon, elle est où, très jolie, ma carapace de bruit insecte, vous noterez. Je sens que je devais pas forcément casser ceci. C'est pas grave, en tout cas t'as une fleur de feu, comme ça c'est bien, c'est pratique pour affronter les... Non mais il y a un problème là, pourquoi il parle d'une carapace de bruit insecte? Elle est plus tard en fait. Nous y voilà donc, ah la voilà, ne la rate pas, bravo. Est-ce qu'elle me protège pour toujours ou c'est qu'un coup? C'est qu'un coup, mais si elles arrivent par en haut, ça te fait pas de dégâts quoi. Si ça te touche la tête, c'est bon. Ah oui, d'accord. Bah alors, j'avais fait le mini-jeu de la carapace de bruit insecte et... Non, en fait, je le sais même pas. Wouh! Waouh! J'ai eu chaud. Ah bah, et c'est pareil, t'en as redonné une autre. Ah oui, d'accord, les machins. Comme ça. Oh là là, n'en parle pas trop, n'en dis pas trop. Je sais pas comment ils arrivent à jeter ça, mais... Ah, oh, je me suis bien fait avoir. Ça va, tu vas pouvoir les massacrer, regarde. J'espère, parce que là, je me jette. Regardez, hop, ils sont massacrés. Ils ont perdu leur nuage, regardez-les. Ah, il y avait des cadeaux secrets, là, mais je les ai ratés. J'avoue, j'aurais peut-être pu prendre leur nuage. Non, c'est trop. Bon, bah, voilà. C'était le niveau de la carapace de bruit insecte qu'on a beaucoup vu. Voilà l'émission. On est barrage de bloops. J'ai passé quelques boucles sur une planète à faible gravité, il y en a 10 au total, il faudra aller tous les vaincre. Oh, c'est trop triste. Effectuer un super saut, bonne chance. Bonne chance. Atteignez l'arrivée en ayant vaincu tous les bloops. Il y en a 10. Oh, on va tuer des bloops, c'est trop triste. Oui. Oh. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. C'est toi qui arrives. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. J'ai fait un tout petit saut. Oui. Bon, point, point, point. Bon, ce n'est pas grave. Oh là là. Et de 1, 2 même en fait. T'as énormément de temps. Comment ça se fait? Parce que regarde-moi ça. C'est parce que la compagne des étoiles... Attends, mais comment on marche sur ça? Bah on peut pas, justement. Mais Mario. Mais Mario. Bah oui, évidemment. Mario, il est comme ça, il fait genre... Ah ouais, non, mais les pics, je peux pas marcher dessus, mais... Mais maintenant que j'ai tué des bloops, c'est bon. On est presque à la moitié. Après, on pourra construire un shadow pour Toadette. Là, qui tue?
Qu'est-ce que vous dites de se laisser regarder par une armée de la qui tue? Il faudra un miracle pour réussir à le traverser. Allez-y, tentez votre chance, il y a une belle récompense à la clé. Ok. La course à la clé de la qui tue. Attention, il va jeter un truc qui... Bah non, même pas besoin. C'est pas... Oui, voilà. Il va te jeter des œufs piquants. Non, moi j'aime pas les bruits insectes avec un petit piquant, là, c'est nul. Bah en plus, t'es même pas dans Mario World, là, tu peux même pas rebondir dessus. Tu veux pas... Ah. C'est un là qui tue, mais en fait, il est avec toi, c'est là qui l'Esther, tu vois pas? Je reconnais pas, il a les lunettes. Ah, lui par contre, c'est la fille. C'est la fille. Oh, comment elle s'appelle? J'ai oublié. Attention, ah non, il tombe pas. Ah bah, il est parti. Oulala. Vite, donnez-moi le bloc pot. Ah, jamais, non. Pourquoi vous me donniez pas le bloc pot? Ah, tu voulais quoi? J'ai pas compris, hein. Moi je croyais que tu voulais rien. Eh, Luigi, et Mario, si t'as besoin d'aide, je peux t'aider, hein. Genre, par exemple, voilà, le bloc Pau. Tu pensais qu'il allait t'en donner un, mais en fait, non. Regardez, il est là-bas. C'est bien, non? C'est pas très utile. Ouais, bah, je comprends pas pourquoi tu dis ça, c'est très bien. Regarde. Mais hein. Pourquoi deux en Moi, je t'en jette un autre, si tu veux. Hein. Mais ah, qu'est-ce que c'est que ce... C'est... Ah, bah, moi, je suis parti, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, c'est... C'est très bien ça. Bon bah c'est pas grave, t'es passé à travers au moins. Oh, voilà un là qui tue méchant. Ah c'est les œufs piquants là, ça y est, ils sont là maintenant. Oh ça l'a tué alors qu'il était dans les airs. Les œufs piquants. Oh bah lui non, lui il est immortel, c'est le champion du monde. Mais non, je le savais que j'allais me faire toucher là, j'étais là. Oh là là, je sens que ce saut est mal parti. Oh non, dommage. Ouah! Eh mais non, mais là, les Lucky Tue, vous faites quoi, là? Ils jouent dans l'autre équipe. Oui. Oh là 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 là! Mais non, mais... C'était dur de prendre de l'élan, ici. Voilà, tu as réussi à passer. Incroyable. La première étape. La première étape est donc faite. Mange cette étoile. Mange ce Lucky Tue. Il est délicieux. Mange ces plantes piranha. Mange juste une. Hein. Ouais, non, c'est pour le dessert, l'autre. Non. Oh, le Lucky Tue, le machin, frère marteau nul, là. Merci pour le bloc pot, là-bas, c'est très utile. Mais non, je regardais le bloc pot, du coup. Tiens, prends le marteau, il est pas mal, quand même. J'aime bien. Là, par contre, du coup, voilà. C'est... Ah, mais du coup, il n'y a plus de Lucky Tue. Bon, attention, quand même, là, parce que lui, il est méchant. Et puis son collègue, il est encore plus méchant. Ils sont méchants. Bah le truc c'est que là j'ai envie de rester au bord mais ils vont me mettre un truc là. Non, je suis morte à la fin. Ah, peut-être pas, attends. Ah la bob bombe. Alors pourquoi? Ah oui, qui est d'accord, j'étais bob bombe. Pourquoi des bob bombes? Pour remonter? Ah oui, il faut remonter. Attention au bob bombe. C'est mon ami, tu reconnais pas Boombette? Non, lui c'était pas Boombette. Ah mais je me suis bien à la fin là. C'est nul. Oh là 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 là. Vas-y, suis la bobombe. Vas-y, oh, élimine la, bon. Transforme-la. Transforme-la en point. En point. Bah écoute, hein, en point. Le point de la victoire. Oui, vous allez voir. Ce que vous allez voir. Ça va aller 200 pièces. On est arrivé à la moitié. Est-ce qu'on aura assez de missions pour arriver à 9999? C'est là la question. Lancer des œufs pour collecter des pièces. Ouais, c'est pas des œufs. Les pièces. C'est pas des œufs. Pourquoi ne pas vous détendre avec mon passe-temps favori? J'ai éparpillé des pièces un peu partout. Essayez d'en ramasser 50 avant d'atteindre l'arrivée. Un indice, attraper un bobombe avec Y, puis lancer le hurler avec L. Ça, c'est le niveau fait pour toi parce que t'adores ramasser des trucs et là. Oui, mais après, je dois aller en jeter. Plus, des bobombes, mais après, c'est un peu comme. Moi, non, vite. Tu vas faire de l'overing. Vite une bobombe. Non, franchement, ce niveau, il est fait pour toi. Oh, c'est trop bien! Oh, mais ça lag! Enfin, ça lag pas, mais... Je pense que c'est fait exprès. Mais oui, tu dois ramasser les pièces, du coup... Tu dois faire attention de bien les avoir. Pourquoi tu les casses? Parce que je me disais que ça allait me donner des bob-ombes, mais visiblement non. Vous servez à quoi, vous? Peut-être que ça donne vraiment des bob-ombes. Voilà, moi je vais ramasser, parce que... On a besoin d'argent. Ah mais oui, en fait, je m'attendais à ce que ce soit un niveau en scrolling, mais non, c'est pas du tout un niveau en scrolling, en fait. Non, c'est bon, c'est toi qui l'avais.
moi je suis tranquille. Ah, t'en as manqué une. Pas grave. Tu penses qu'il y en a assez? Oui, ils ont pas dit qu'il y en avait pile 50. Ah, mais oh, toi là, tu peux venir, ça serait pas mal. Eh, mais y a de tout. Tiens, viens là, mais il s'en va là. Mais recule, comme ça il se prend la bombe. Mais non, mais. Allez, viens, mais non. Oui, mais mon nuage il est trop bas en fait. Mais regardez-le, ce gros nul. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, de toute façon, au pire, t'as déjà fait le. Ah ouais. Ouais, ah, non. Dommage. Tu peux courir jusqu'à l'arrivée là. Bah, grave, moi je veux les pièces. On va faire l'énigme. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Là je vous félicite pas, monsieur le poisson squelette. Hein. C'était peut-être avec le nuage, tu devais venir d'en haut. Non, il faut l'éclater. Ah bah non. Ah si, c'est bon. Ah bah oui. Pioui. Oh wow, non, c'est un magicien Koopa. Ah, oh. Le fameux, le voilà. Oh bah tant pis. Ça veut dire que vous avez fini le niveau trampoline. Voilà, pas mal, j'ai bien aimé. C'était ma fin secrète, incroyable, j'ai trouvé la fin secrète, elle était là. Depuis bravo, 12 bravo. Ans. Enfin, je dis ça, mais est-ce qu'on va vraiment... Ah, oui, on peut faire un autre. Nous sommes incroyables. Voilà la mission. La pierre du destin. Oye, oye, venez tenter votre chance au nouveau jeu de transport de pierre. Saurez-vous triompher de tous les obstacles et franchir glorieusement la ligne d'arrivée pierre en main? Si tel est le cas, une généreuse récompense sera vôtre. Oh, c'est un niveau difficile. Ouais, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. C'est pas grave. On va le faire. Tu vas gagner, c'est bon. Je vais gagner. En plus, il y a encore Super Mario Bros 3, c'est bon, là, t'es... Oh là 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 là! Alors, je veux bien une pierre, mais là... Ça a l'air d'être le niveau bien long en plus, il va falloir que je trouve des pièces. Bah déjà la voilà, la pierre. Est-ce que j'ai besoin d'une pierre à chaque fois? On dirait qu'il y aura des mini-jeux. Oh là là. Bon, on va prendre cette pierre. Ça me rappelle un certain Link. Ah, il faut que tu la jettes sur le truc. Je sais pas comment on jette en haut, mais je vais y aller. Non, tu peux pas, il y a que Mario World qui peut. Ah, du coup, là, faut que je jette sur quoi, du coup? Ah, mais non, ah, mais non, c'est moi qui dois aller dessus! J'aimerais bien... Non. Enfin, en fait, je crois que toi, tu vas devoir... Je peux pas passer à travers? Non, je pense que toi, tu vas devoir appuyer sur le bouton on. Ah, mais faut que je passe par là, alors. Mais toi, tu t'en fiches de ta pierre, actuellement. En fait, ta pierre, elle va devoir marcher sur le bloc rouge, en fait. Et pour l'instant, elle peut pas, parce que... Mm-hmm. Oh, c'est risqué. Je suis pas encore très... Tu n'es pas très à l'aise, à ce que je vois. C'est la cause de la musique. Ah, c'est dommage, à chaque fois, c'est genre un pixel. Mais en fait, je me rends pas compte que le tapis roulant, il m'empêche de passer. Bravo, vous avez réussi l'énigme. Mais il fallait pas partir avec Mario. Allez, vas-y, pierre du destin. Ah, et puis... Ah, oui, là, d'accord, t'as bloqué, donc du coup, tu peux aller chercher la clé. Ah, oui. J'étais en train de me dire... Non, j'ai échoué. Regardez Mario, là. Oh, bah, j'ai échoué. Est-ce que je dois y aller? Non, regarde, ne la prends pas. Mais je voulais la jeter. Mais il l'a jetée. Mais... Le... Comme dirait Shadow, don't touch it! Don't touch c'est it! C'est parti! Première clé! Alors? Le repopage de la pierre. Incroyable. Nous passons donc à l'énigme numéro 2. La plus difficile. Alors, voici un Koopa et un Koopa. Où désires-tu aller? Là-bas. Mais donc, je vais devoir avoir un Koopa qui vient vers moi pour que j'attrape la clé avec une carapace de Koopa. J'imagine. Mais oui, mais là, si je jette ma pierre... Et là, on a ça. Ça monte juste pour te permettre de remonter. Ah, c'est gentil. Bon, bien sûr, j'ai perdu ma pierre, donc c'est inutile. C'est bien. Ah, mais si, en fait, faut juste que tu la mettes en bas. J'imagine. En bas? Tu veux dire ici?
Non, en fait, ça sert à rien. Je comprends pas à quoi elle sert, la pierre, en fait. Bah, à frapper un Koopa. Mais tu peux marcher dessus. Enfin, tu peux déjà sauter sur le Koopa, quoi. À mon avis, ça la touche pas, la pièce, j'imagine, mais... Ah, il faut que tu mettes une pierre juste en dessous. Comme ça, il rebondit dessus. J'ai eu peur. Voilà, bravo, tu as réussi. Youhou ! C'était pas si compliqué. Alors, énigme suivante. Nous allons avoir un petit machin qui va aller sur le côté. Ah oh, oui, là, ça va, c'est simple. Juste de le sauter dessus. Enfin, tu fais, jette la pierre dessus quand il est en dessous, et puis voilà. Wouh ! Oh, je veux voir ce que ça donne, là. Vas-y. Ah ! Oh ! Mario, il regarde comme ça. Il attend. Avoue, t'as un peu peur, là. Ah ! Oui, j'ai un peu peur. Oh ! Alors il va m'écraser, là. Non, ça va. Ah non, ça va, en fait. Ok, bah c'est plus simple comme ça, effectivement. Est-ce que ça va la jeter au bon ? Oh non ! Ah ! On va recommencer avant de faire des bêtises. Ceci dit, de la pierre. Je trouvais que. Tu as besoin mais de mais oui, c'est vrai. Pierre. N'oublie pas les tablettes de pierre, mon cher Sonic. N'oublie pas. Non, c'est pas ce que tu disais, mais c'est je pas. Je disais que je trouvais ça plutôt cool de le bloquer parce que comme ça. Ouais, il, ouais, bah en fait. Il était bien. Je pense que c'est la méthode la plus simple en fait. Oh là. Ah, c'est bon. Ne saute pas. Mais je saute pas en fait, c'est juste que... Mais non mais je saute pas, arrêtez de dire je saute, moi je saute pas. Qu'est-ce que tu fais avec ta pierre là? Mais qu'est-ce que vous faites avec votre pierre? Monsieur le monsieur, qu'est-ce que vous faites avec votre pierre là? Je ne comprends pas. Il me fait peur le bloc de notes de musique. Allez, dernière énigme. Vas-tu réussir à répondre à cette énigme ? Analysons la situation. Nous avons ici un grappin qui va récupérer ma pierre, j'imagine. Oui. Mais encore. Ah ! Non, je sais ce qu'il faut faire. J'ai analysé direct, j'ai trouvé la réponse. Je dois. Tu dois mettre la pierre sur le machin et tu dois monter sur la pierre. Ah. Comme ça, tu vois, tu es sur la pierre, tu ne touches pas les blocs, et tu récupères ta clé, t'es contente. Oui, et d'accord. Après, tu fais. Mais lui, il va lâcher le caillou, là, non ? Quand je vais être en dessous. Si t'es en dessous, oui, mais si t'es au-dessus, non. Ah, c'est bon, je suis bien, là. On bouge pas. Regarde, là, tu stresses. Non, je pense que j'ai même pas besoin de bouger. Est-ce que tu penses que tu vas mourir ? Oui, voilà, c'est bon, ça va. Mais pas du tout. Bah, c'est juste que, voilà, mais j'avais peur qu'il pas lâche. Du... Et voilà, bravo, tu as réussi les énigmes de la pierre. C'était la plus simple, finalement. Est-ce que tu penses que je dois y aller avec ma pierre? Bah vas-y avec la pierre. Hein. De toute façon, t'as une autre petite énigme bonus, si tu veux, oui, avec les munchers, là. J'ose pas. Ah si. Ah bah si, en fait, c'est tout simple. Bon, par contre, faut pas sauter trop, après. Voilà, ramène ta pierre. Jusqu'au ah mais oui, de... je dois finir le niveau avec la pierre en main, en fait. Donc oui, il faut que je la prenne. Bon, ça va, c'était cette épreuve d'énigme. Mais c'était plutôt... cette épreuve d'énigme. Bah, c'était une épreuve d'énigme, non? Oui. Mais attention, ce n'est pas fini. Maintenant, il va falloir que tu réussisses à faire les sauts de la mort, les sauts angéliques. Tu veux le one-up? Eh ben non, à la place, tu auras Mario qui boude. Oh mince, bah oui, j'ai bloqué Mario. Et voilà, Mario boudeur. Oh, je suis désolé Mario, mais tu as réussi les énigmes, mais c'est tout. C'est ce Mario Boudeur ou Mario Maker, hein, on sait plus là. C'est pas grave parce que voilà, cette vidéo est finie. C'est la fin de la vidéo, effectivement. Merci à vous d'avoir regardé. C'était quand même cool comme dernier niveau, je trouvais. C'était plutôt sympa. Du coup, dans le prochain épisode, nous atteindrons les 9999 pièces, bien évidemment. Ah bah oui, en ayant 1000 pièces par partie. Et oui. Allez, bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut tout le monde.